Bon, donc il faut la fonction s'étendre. R, c'est O, R prime. La fonction s'étendre, qu'il compte prioritaire ou qu'il compte non prioritaire. Fonction s'étendre. Fonction s'étendre, qu'il compte prioritaire. Qu'il compte prioritaire. Donc, nous y trouvons la fin, tu as le nom de la molécule. Maintenant, si tu le substitues en le nom de la chaîne principale, nous y trouvons terminaison on. Exemple. Bien sûr, la fonction s'étonne, jamais il y a le bout de chaîne. Parce que tu vois, il y a deux alkylés, les deux côtés. Donc, tu vois, jamais il y a le bout de chaîne. Parce qu'il y a le bout de chaîne, il y a une fonction aldéhyde. Alors, quand on va mettre le bout de chaîne, il y a la fonction. Il y a le bout de chaîne. On a chacun une H. Il y a le bout de chaîne. Il y a une fonction aldéhyde. Mais ta fonction s'étend toujours. Mais je suis au milieu de la chaîne, mais je suis au bout de chaîne. Donc, on a. Quand on numéroté la molécule. Numérotation. Est-ce que nous avons l'atome de carbone à la fonction carbonine? Non. L'exception. L'exception, c'est les fonctions, les fonctions carbonyles. Nous avons les fonctions carbonyles qui sont prioritaires. L'atome du carbone, c'est le carbonyle, nous avons la numérotation. Sauf le cas de la fonction cétone. La fonction cétone, le carbone de la fonction cétone, il dit l'indice le plus bas. Mais tu as fait une numérotation, c'est que le carbone de la fonction cétone, il dit l'indice le plus bas. Maintenant, soit on a le bout de chaîne là ou le bout de chaîne là. Si on a l'indice le plus bas, on a le côté 1, 2. Et D, 2. Quand on a 1, 2, 3, 4, il dit le 4. Maintenant, on a la numérotation 3, 4, 5. On a qui fait nommer la molécule 1, 2, 3, 4, 5. Pas de substitution, goulot. Pentane en position 2, j'ai un D, on. En fonction, c'est on. Pentane de on. Nous avons un deuxième exemple. Tu mets de la molécule. La molécule. Chaîne Hajaloula, sélectionner la chaîne carbonique, il faut à la fonction s'étendre. Ben, c'est la chaîne horizontale. C'est la sens de numérotation, soit nous avons maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soit nous avons maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis les deux sens, fonction s'étendre d'être le même indice. Maintenant, les deux sens, attendez, le même indice. Qui connaît la même, qui le même indice les deux sens, on a les substituants. Les substituants. Mais d'abord, les substituants, la somme, tel les indices, tel les substituants, compte la somme plus basse. Maintenant, qui nous a la somme, tel les indices, numérotation 1, 2, 3, nous devons un substituant à 3, ou un substituant en 6, en position 6, ça fait 9. Sens 2. Un des substituants en 2, substituant en 5. Ça fait 7. Maintenant, la somme la plus basse, c'est D. On dit que c'est 9. Des numérotations, c'est la numérotation. Out. Toujours, on a le sens de numérotation, c'est la chaîne, la fonction principale. C'est-à-dire l'un des plus bas. Qui est égalité pour la fonction principale, alors les substituants. On a la somme la plus basse pour les substituants. On a un 2 bromo, un 2 bromo, on a un 5 méthyl, 5 méthyl, et le nom de la molécule c'est 2 bromo, 5 méthyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est heptane. Heptane. En position 4, on dit la fonction c'est en 4, on. Ok? Donc, on a le nom de la molécule. On a le cas qui prend la fonction
cétone prioritaire. Donc, quand je fais la fonction cétone qui trouve non prioritaire. Bon, qu'est-ce que la fonction cétone non prioritaire? Je pourrais le cas, par exemple, qu'on a la fonction, la fonction acide. Je prends le cas. Dans la numérotation, carbone à la fonction acide, il dit l'indice le plus bas. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ah, la fonction s'étend avec 4. On est là. Donc, je vais 3 bromo. En position 4, je vais 4. Oxygène substituant, c'est oxo. 4, 5, 4, oxo. Et bon, si je nomme la molécule, c'est acide. 3 bromo 4 oxo tiré bien sûr un nom 1 2 3 4 5 6 c'est hexanoïque. Ok, quand on voit le nom de la molécule en position 4 1 D la fonction s'étend qui te substitue en gros la oxo ou la fonction acide c'est hexanoïque 3 bromo hexanoïque.